Ces derniers mois, les relations se sont quelque peu tendues entre l'Argentine et l'Angleterre. En cause, les îles Malouines, qui, 31 ans après, sont toujours une source de friction entre les deux pays. L'année 2012 marquait d'ailleurs les 30 ans de la guerre des Malouines qui avait conduit à un affrontement entre les deux puissances. Personne n'a envie de changer le mode de vie des habitants des îles Malouines. Ce que nous pensons, c'est que ces 5000 km² sont un sujet de dispute et qu'il doit être résolu, et le gouvernement britannique ne devrait pas remettre les pourparlers ou trouver des excuses pour savoir qui sera assis à la table des négociations. Il devrait justement y avoir des représentants des gouvernements argentins et britanniques. Argentina y del Reino Unido. Le ministre argentin des Affaires étrangères semble confiant. Selon lui, l'Argentine contrôlera ses îles avant les 20 prochaines années. Mais pour l'instant, les discussions se heurtent encore à la volonté des Britanniques d'inclure le gouvernement des îles Malouines dans les pourparlers, ce qui, selon l'Argentine, serait une violation de plus de 40 résolutions des Nations Unies. La discussion avec les parlementaires a été excellente. Il y avait une atmosphère propice au dialogue, une volonté de comprendre les positions des deux parties. Je crois qu'ils ont démontré que ce n'était pas seulement possible, c'est nécessaire. Nous avons les mêmes objectifs. L'Angleterre dispose toujours d'une base militaire sur ces îles de l'Atlantique Sud, une occupation du terrain qui montre bien, selon l'Argentine, que leur présence privilégie l'accès aux potentielles ressources énergétiques.